Nakous, tu disais tout à l'heure, Christine, que ça veut dire en arabe. Ça veut dire en arabe clochette. Clochette, voilà. Sonnerie, clochette. Bon, Nakous. Et que fait la clochette aujourd'hui? Alors, la clochette nous plaît beaucoup. Nakous, donc, fils d'Oasis Dream, gagnant de groupe 1 à 2 ans. C'est un cheval avec, comme vous le voyez, hein, beaucoup de taille, beaucoup d'élégance, beaucoup de présence. Et ses premiers produits ont 3 ans et ses premiers 2 ans totalisent 9 vainqueurs à 2 ans. Ce qui est bien, enfin, ce qui est déjà un bon résultat. On se rappellera que le cheval a donc gagné groupe 1 à 2 ans, qu'il battait Mastercraftman à ce moment-là. Il a sailli donc tous les ans depuis son arrivée au Hara. Les deux premières années, il a sailli un bon nombre de juments. Donc on est sur des productions, on va être sur une production importante en course, ce qui est toujours intéressant pour le cheval. Il apporte beaucoup d'influx, c'est un cheval qui apporte beaucoup d'influx dans sa production. Et justement, en termes de poulinière, qu'est-ce qu'il faudrait lui apporter? Alors c'est un cheval, faut pas forcément lui présenter des grands, trop grandes juments, parce que comme vous voyez, il a beaucoup de modèles. Il peut avoir des juments avec un peu de taille, avec un petit peu de modèle, on va dire. Hein. Plus de modèle que de la taille. Alors, on se rend compte que Nakous a toujours des résultats en vente corrects. Les yearlings se vendent toujours correctement. Bon, on n'est pas dans des prix... On n'est pas dans des prix à 150 000 euros, mais on est quand même dans des prix fort intéressants compte tenu du prix de saillie du cheval.